Good morning, allez, Hidden, les Suisses, aujourd'hui, les Lonishmat, Janine Rune, Bet Fortune, Mazal Fritna, les Achayabat, Mazal Tov, Lucien, Bet Reina, et Claude Shlomo, Ben Shalom. Si vous souhaitez vous étudier dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet, Gitin, Perik, Gimel, Mishnah, Vava, Mevi, Get, Mimedina, Tayam, Vechala. Ose, Bet Din, Omer Shalcho, Ve Omer Lifnehem, Befanaï Nirtam, Befanaï Nirtam. Ve'en Ashaliach Acharon, Zarich, Sheyomar, Befanaï Nirtam, Befanaï Nirtam, Ela Omer Shliach, Bet Din, Ani. Une Mishnah qui continue le cas de la Mishnah précédente, avec cette fois-ci un petit peu le, si je veux dire, le réciproque, ou l'autre cas qui est l'autre nuance, d'accord? On a toujours deux Mishnayot qui fonctionnent, une, qu'est-ce qui se passe quand on est blanc, et l'autre, qu'est-ce qui se passe quand on est noir, d'accord? Même principe, Mishnah précédente, on avait parlé de celui qui apporte un guet en Eretz Israël, on avait soulevé que le mot en Eretz Israël était un petit peu en trop, en fait c'est presque toujours le cas de notre Mishnah qui nous dit quoi? Que Amevi get mi medinat ayam, celui qui apporte un guet de l'étranger, un émissaire d'Amérique qui est en train d'apporter un guet pour divorcer sa femme. Il arrive au port de Jaffa, et là-bas, il n'a plus la force de continuer pour l'apporter à Yerushalayim. Et il voudrait bien nommer quelqu'un d'autre à sa place. Est-ce qu'il peut le faire? On avait vu que lorsque tu es en Israël et que tu es Jaliar pour apporter un guet, s'il tombe malade, il a le droit de nommer quelqu'un d'autre à sa place. D'accord? Un cas classique, un cas particulier, mais le cas classique, il a le droit de nommer quelqu'un d'autre s'il tombe malade. Alors là, maintenant, il vient de Khoutzlaretz. Est-ce qu'il peut nommer quelqu'un d'autre? Quelle est la problématique cette fois-ci, quand on vient de Khoutzlaretz? C'est que quand on vient de Khoutzlaretz de l'étranger, alors il faut d'abord témoigner que Befanaï Nirtam. Befanaï Nirtam, quand il y a Manessa Obeddin, donc tu ne peux pas nommer un autre Chaliar. Pour pouvoir transmettre le guet, il va falloir faire quoi? Ose Beddin, qui réunit, s'il arrive à Yafo, il est épuisé du voyage, il sent que peut-être qu'il a. Il risque de ne plus pouvoir continuer sa shlichut, eh bien qu'il apporte un bet din à Yafo, qu'il réunisse trois talmid chachamim là-bas, et qu'il leur ose bet din ou meshalcho, et à partir de ce bet din, il va pouvoir envoyer un shaliach que auparavant, ve omer, il leur dira auparavant, lifnehem, ve omer lifnehem, il leur dira devant eux, befanaï nirtav, befanaï nirtav, qui leur témoigne la phrase magique et essentiel, de dire que devant moi il a été écrit, devant moi il a été signé. Je reprends. La problématique, c'est que quand on apporte un guet, quand un chaliach l'apporte un guet, si ton malade il a le droit de mener un chaliach pour continuer à sécher les routes. Le problème technique, c'est que quand tu apportes un guet de Khoutzlaretz, il faut que tu nous racontes que devant toi il a été écrit et signé pour qu'on te questionne et qu'on te demande est-ce qu'il a été écrit, l'Ishma. De ce fait, si tu vas nommer un autre chaliach, l'autre chaliach il n'a pas été écrit devant lui, donc il ne pourra pas dire le guet devrait être invalidé. La solution qu'on a, c'est que tu réunis sur place un Beddin et que tu témoignes devant le Beddin que Befanaï Nirtav. Depuis le Beddin, il va sortir un papier que devant nous, un tel a témoigné que ce guet, il est caché en bonne et due forme. Et ensuite, on va nommer un nouveau Chaliach. Que ce deuxième Chaliach, il n'aura plus besoin de témoigner de nouveau que le guet a été écrit en bonne et due forme, puisqu'on a déjà témoigné ce témoignage devant le Beddin et qu'on a maintenant une lettre du Beit Din que ça s'est bien passé, qu'elle était bien écrite et que tout va très bien. Donc du coup, Ven Hashaliach, Acharon Zarir Sheyomar Befanaï Nirtav, Befanaï Nirtam. Du coup, le deuxième Shaliach n'aura plus besoin de nous dire que le guet a été écrit et signé devant lui, parce qu'on a déjà témoigné ce témoignage devant Beit Din. Et là, Omer, il devra juste préciser que Shliach Beit Din Ani, sachez que je suis un Shaliach du Beit Din, c'est-à-dire et que donc que le guet a été reçu. Comme, de ce fait, tu témoignes que tu es un chaliach du Beit Din, donc ça signifie que le guet qui est venu de l'étranger, il a été apporté devant un bon Beit Din. Chazaka, que le Beit Din a bien fait son travail, donc il a déjà vérifié que Befanaï Nirtam. Et donc on peut continuer à transmettre le guet jusqu'à la femme, et même si le deuxième chaliach tombe malade, il pourra nommer directement un autre chaliach, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le guet arrive à la femme. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.